Bonjour tout le monde, c'est RX Project et on se retrouve pour une mission de sauvetage sur SnowRunner. On va aller récupérer... comment il s'appelle déjà? Attendez, normalement il est là-dedans, pactage de réparer le camion, non c'est pas celle-là. Bricoler c'est gagné, le White Western Star, voilà. On va suivre celle-là. Donc on doit aller le récupérer ici. Oh l'horreur. Faut aller le chercher ici, mais vous avez vu le... là où il se trouve dans le trou du cul de la map. Et j'ai pas 36 000 solutions pour aller le chercher en ce qui concerne le chemin le plus facile. Alors, je pourrais essayer... Alors, quand je dis le plus facile, je n'ai pas essayé de passer par ici. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais ce serait le chemin le plus long. Et ça m'a pas l'air d'être le plus sécur pour autant, surtout sur cette zone-ci. Parce que je sais qu'ici le terrain est dégueulasse. Donc le plus couillu ce serait de passer... déjà il faut descendre par ici, c'est le plus court hein, pour aller le chercher. Et le plus... Ce serait le plus court et ce serait le plus sécur parce qu'il y a une route en meilleur état. Le plus dur ce sera de le prendre de là... jusqu'à la route principale. Donc il faudra déjà passer l'eau. Il faudra passer les rochers là. Ces rochers là je le sens pas. Bon, ben on va quand même tenter. Alors le truc c'est que déjà le camion c'est pas un petit modèle. Mais j'ai... Vu que j'ai déjà récupéré sur la map juste avant, sur la première map du Michigan, j'ai déjà récupéré... le GMC qui était dans le bayou, qui était embourbé jusqu'au cou. Là, j'ai pu voir qu'on pouvait démarrer les moteurs des autres camions. Et qu'on pouvait... Du coup, ça nous aidait parce que... Ben, déjà, il braque. Il tournait roux, ça aide. Et surtout, au niveau du moteur, il les aide aussi, j'ai l'impression. Par contre... Oh, il a rien de rien. Enfin, il est dans le rouge partout, donc je dois le réparer. Ok. Donc là, on va devoir faire un investissement sur un module. Je me demande à quoi ça sert, les grues lourdes comme ça. Parce que c'est classe, mais c'est tout. Alors, il y a quoi? Support... module châssis de maintenance, c'est quoi? Ça amène pièces de réparation, route secours et carburant. Est-ce que je prends ça? Excuse-moi. Mais le rapport de poids devient nettement plus... Y'a que ça? Alors, module de châssis pour van. Et c'est la même chose. Sauf que celui-ci... Ah! Attendez. Est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux tracter avec celui-ci? Et surtout, le cul est tellement gros. Moi, j'ai peur que ce soit trop. Mais je vais bouffer du carbu. Mais assis et roue de secours, je pense que c'est mieux, il y a plus de pièces de réparation. Donc on va partir avec ça. Il est surélevé, pneu tout terrain, meilleur moteur. Non, ça devrait bien se passer. Je ferai pas de nuit par contre, ça vous allez vous faire foutre. Hein. Et je vais peut-être même prendre. Je vais prendre une remorque de carburant avec. Que je laisse alors au-dessus de la pente. Oh, c'est parti. Je laisserai au-dessus de la pente, comme ça je ferai le plein de ce camion-ci avant de descendre. Je siphonne un peu du réservoir pour donner à l'autre. Et dès qu'on est au-dessus, je peux alors refaire le plein et repartir. Le pire, c'est que je pourrais repartir en prenant la remorque et en tenant l'autre derrière aussi en le tractant. On va descendre de nuit, mais par contre, on ira le chercher de jour. Pas les reins, les gars. Oh là, j'espère que la stabilité du truc, vous autres. Waouh. Le problème, c'est que oui, il est en hauteur maintenant, ça va être horrible. La stabilité de l'engin. Merde. Pardon, là. On y va doucement.
les 6 roues motrices. Laissez passer la dépanneuse. Sérieux, depuis que j'ai les pneus tout terrain, le moteur, il est surélevé, enfin les suspensions surélevées, que ce soit lui ou le GMC, ça change beaucoup de choses. C'est le GMC, je commence à plus l'apprécier du coup. Alors il me semble que c'est pas très loin. La descente est vraiment dans un trou. Là, je vais juste mettre alors. On va mettre ceci sur le côté. Ah, j'essaie de m'y retrouver là parce que. Les panneaux pour rien. Allez, allez, bon. Hop, allez. Détacher la mort. On est deux jours, merci. Et on va essayer d'y aller tranquillou. J'ai perdu 15 litres, je vais quand même faire le plein. Ça se jouera peut-être au litre. Oh la vache. Je suis nul pour ce qui est de faire des manœuvres. On va voir si on sait aller le choper facilement. On va voir si je peux le faire, hein, parce que... D'accord que c'est par ici. Ouais, c'est par ici. Wow. Ouais. Ah ouais, le centre de gravité, il a décidé de prendre des vacances. Oh, ça va être l'horreur. On va y aller mollo. On va y aller doucement. S'il faut, je mettrai en vitesse basse. Et c'est peut-être ce que je vais devoir faire illico. Ah ouais. C'est plus lent, certes, mais je me sens plus en sécurité. Tout doux. Voilà, c'est ici que j'ai... Voilà, c'est ici que j'ai peur. Ah. Il se dandine tellement. Voilà, donc ça, ce sera un passage difficile. Bon, je me doute, hein, y a des centaines de tutos sûrement sur Internet hein, pour comment bien aller le chercher, mais si je peux éviter. Voilà, je suis lent, mais je me sens en sécurité comme ça. Et je suis prêt à parier qu'en fait, n'importe quel camionneur, assez cinglé pour descendre là-dedans, il ferait aussi en vitesse lente que moi. On va prendre par la gauche. Par la droite, pardon. Parce que la droite, c'est des rochers. Et les rochers, ça tient nettement mieux. Bon, c'est bon. Là, je crois que je le tue un peu. Ah ouais, ça passe, mais c'est incroyable, quoi. Oula, tout. Tout. Tant j'aille pas trop, ouais. Tant j'aille pas trop. Ah. Voilà. Tant j'aille pas trop. T'excite pas, Coco. On y va tranquille. D'accord? Si je verse, je suis foutu. C'est tout l'intérêt de pas faire le débile. Tu
Sunstar. On va éviter de prendre par couper à travers champ. Ah, oh, 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 holy shit. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dois pas aller à travers champ. Et pourtant j'y vais. On va essayer de passer comme ça. C'est vrai. Waouh, waouh, waouh. Oh, j'ai vraiment... J'ai d'énormes stress. Oh putain. C'est peut-être les... Je vois rien en plus. C'est, la suspension douce, c'était peut-être pas la meilleure idée en fait finalement. Voilà, je suis à côté de lui. Ok. Réparer le Fleet Star. Le White Star. Il est en état neuf et je vais y faire le plein, sur le White Western. Ah ouais, mais non. Comment je fais pour diminuer combien je lui mets? Comment je fais pour lui mettre qu'un petit peu de... Je peux pas? Oh non, me dites pas qu'en fait je me fais... Ah d'accord, ok, c'est moi qui suis con. Ok, donc l'autre il a... Ouais, 90 litres, j'en ai 131, ça devrait aller. Un instant. C'est bon, allez. On est prêt? Ou presque? Treuil, on va prendre le treuil de derrière, bien sûr, et on va le mettre ici. Et là, par contre, on va devoir reprendre par le chemin. Voilà, j'allume son moteur, comme ça il va aider. Yes. Le câble est fort près, mais ça m'arrange. Allez, regarde. Voilà. Voilà. Ça va tout seul. Plus ou moins. Voilà, je pense. Alors, si ça me prend moins de temps que prévu, on fera juste une deuxième petite opération alors sur cette vidéo aussi. Mais j'ai quelques doutes quant à la possibilité de le faire. Donc on verra. Wow. Doucement, le tangage, doucement. Faut pas que j'y aille trop fort. Oh. Ah, il me fait peur, hein. Il fait... Oh. Peut-être que j'aurais pas y aller en trop grande vitesse aussi. Oh. Punaise, mais... Ok. J'y vais en petite vitesse, là. Ça, je suis pas rassuré, on va y aller mollo. Et donc ici, on va passer à gauche.
C'est parti mon kiki pour la montée. Et là, là on y va en petite vitesse. Ça, on va tracter. Wouah, ça tire bien. Ah ouais, ça se passe tout seul en fait. Ça passe tout seul en fait, c'est incroyable. Bon, de tout terrain, tout ça. Et à mon avis, le fait de ne pas tirer une carcasse, ça aide beaucoup. Parce que du coup, il peut donner un coup de pouce. Ça serait bien si tu tournais là, par contre. Ouais. Allez, tourne. J'avais mes phares allumés. Ça... Ouah ! Ici, c'est dur. Allez. Je veux une miniature. Oh, mais je veux la miniature. C'est... En plus, il fait un temps dégueulasse. Ah, par contre, j'ai le sapin en pleine tronche. Pas moyen d'avoir sans le sapin. À part en étant un peu plus haut peut-être, mais... Bon, on va prendre c'est là, là. Allez, on grimpe. Allez, allez. Oh, faut que ça tire, faut que ça tire. Le problème c'est qu'il ne vire pas, là. Je sais pas ce qu'il a, il ne tourne pas. Voilà. Oh non, il va se bloquer sur le rocher, je pense. Oh non. S'il se bloque. Il s'est bloqué. Feu. Et le treuil n'est plus attaché, donc... Pas le moment de se viander. Il est bloqué, je suis bloqué, ok. Oh, et chaque fois qu'il fait une manœuvre, ce truc-ci, moi, ça me file des frissons. Essayer. Jackpot. Non, il est bloqué, je suis bloqué, d'accord. Il est bloqué de chez bloqué, donc en fait il faudrait qu'il puisse. Il faut pouvoir. Il faudrait pouvoir. Oh, mais il me fiche la trouille, hein, le truc là.
Allez. Mais tourne un peu tes pneus, trou de balle. Ouah, parce que là en plus je claque du carbu. Sévère, hein. Oui, 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 on peut le faire. On peut y arriver, on peut y arriver. Allez. Oui. On y est presque. Son tract. Voilà comme ça. Mais chier, mais j'y suis, on le tient. C'est bon. Là maintenant c'est du gâteau. Ou presque. Les rochers, ce serait chaud, mais ouf, c'est passé. Voilà. Le White Western Star est à nous. Presque, il me reste 71. On va voir si je peux faire la. Donc, je vais me faire le plein déjà sur le mien. Je vais laisser dans son. Le sien, je vais laisser le carburant dedans, je vais le laisser en. Avec le moteur allumé. Et on va voir si je sais le tracter lui plus la remorque. Segundo. Comment ça va être trop loin? Tu te fiches de moi? Ah, ou alors c'est parce que je suis trop. On va accrocher le treuil. C'est parti. Allez. Ouais, génial. Ah merde, te prends pas le poteau. Et voilà. Chouchou. Ça m'aura pris... Ouais, 10-15 minutes peut-être. Ouais, par contre, je bouffe en litrage. Ça... Bah voilà. On va ramener ça et puis on va aller faire ce que je pensais faire et ce sera tout. Un épisode qui m'en va dessus. C'est pas très grave. Ah ouais, par contre on sent qu'il tracte. Hein. On sent qu'il a du mal.
On sent qu'il a du mal. On danse pas trop. Voilà. C'est pas le moment de t'embourber, mon gars. Voilà, on va se mettre dans les rainures. Tout a l'air de bien se passer. Donc, c'est... Voilà, on va mettre un sapin, c'est pas grave, ça repousse. Waouh! Ah bah c'est cool. Non, sincèrement, je pensais pas y arriver. Je me suis dit, il y a un truc qui va clocher, je vais me faire avoir, c'est pas possible. Ah bah sinon, c'est passé plutôt proprement. Plus d'une fois, j'ai fait un petit wheeling. J'aime vraiment pas, en fait, le... il a vraiment le centre de gravité beaucoup trop avec ce truc. Donc là, ça m'a bien aidé, mais si je dois refaire le coup plusieurs fois dans des zones aussi dangereuses, ou plus escarpées ou quoi, ça va être galère. Si ça va, ça a réussi à tracter. Et c'est bien, en deux épisodes, on sera fait deux poids lourds. Le Pacifique, j'ai toujours pas regardé quoi que ce soit à son sujet, ni réfléchi à comment j'allais l'utiliser. Donc, Et voilà, on a le White Western Star, il est à nous. On va s'occuper du pont de Smithville en fait, et avant ça, on va rentrer les véhicules. Le pont de Smithville, j'ai envie de le faire avec un véhicule par en particulier. Oh la vache, il est vraiment en sale état. Récupérer aussi bien sûr celui-ci. Mais je vous demande pas l'entrée du gars. Voilà. Déjà ta customisation, on va te la dégager. Bon, on te la dégagera plus tard. On va prendre le Transtar. Transtar, est-ce que j'ai changé? Alors ton moteur, je peux pas. Enfin, si je... Enfin, j'ai trois fois celui-là. Donc j'ai mis le meilleur moteur. Parce que l'autre là, la consommation... S+, d'accord, mais la consommation est tellement aberrante que... Voilà. J'ai un qui consomme plus que lui, je pense pas. Suspension surélevée, j'y ai pas encore accès. Par contre les pneus, c'est du 39, tout terrain. J'ai la prise d'air, j'ai tout. On va essayer, j'ai envie d'essayer avec lui. J'ai envie de le sortir, de voir ce qu'il vaut. Parce que, en fait, j'aime bien sa tronche. Mais c'est vraiment un camion de route. Donc, il m'a pas l'air si ouf que ça. On va voir. Je vais réparer le pont, comme ça c'est fait. Parce que là, je vais en avoir besoin pour les prochains. Les prochaines épopées. Et vu le peu de temps qui s'est passé, je vais peut-être même aller explorer encore nous avec le 4x4 de l'autre côté finalement. Oh. Faut pas que j'oublie, je suis pas en survie. Ah, j'aime bien le klaxon. Ce que j'aime moins, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Bon, celui-ci, je pense que je vais quand même essayer de l'utiliser un peu pour me faire une idée. Parce qu'il a une bonne boule, enfin j'aime bien sa tronche. Mais je sens qu'en fait il est pourri, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est pas ouf.
Disons que j'ai déjà un GMC qui me plaît beaucoup et qui a fait ses preuves, mine de rien, le GMC il a fait ses preuves. Celui-ci, je suis pas sûr qu'il soit. Je suis pas sûr qu'il vaille la peine. Là, on va essayer de réparer le pont, comme ça c'est fait. On le laissera quelque part, celui-ci. Ah ouais, c'est. C'est un veau en fait. Mais il a un bon réservoir. Hein. La conso est vraiment énorme, c'est honnête. Faudrait que j'essaye. Peut-être que je vais utiliser comme mule ici pour tester un peu plus. Mais sans avoir sans être haut sur pattes, je pense qu'il y a des endroits où ça risque d'être coton. On va le tester ici justement. Si je peux passer avec lui ici, c'est bien. J'ai quand même déjà galéré à aller le chercher dans le marais de merde. Ah ouais, mais j'ai pas. Ouais, j'ai juste une vitesse basse. J'ai la vitesse basse, mais j'ai pas le reste. C'est vrai. Faut que j'ai bloqué les pièces. Mais il y en a qui. Je crois qu'il y en a qui sont débloquables qu'en ASK. Bon, allez, vas-y, mon grand. Monteur qui sait le patron. Allez. Ah, j'ai bien fait de mettre un snorkel par contre. Vu que je savais où je voulais aller avec lui, je me suis dit on va mettre le snorkel. On va prendre les devants. Waouh, ouais, c'est coton. Hein. Et vu qu'il n'a pas la transmission sur toutes les roues. Allez. Il n'a pas la transmission sur toutes les roues, ça joue énormément. Donc. C'est bon. Ça et le fait que la zone soit déjà dégueulasse. Ah, et je suis pas assez haut sur roue. Ouais, non, je peux pas. Il est coincé quelque part ou quoi, ce con? Voilà. Allez, allez, je sais que tu peux y arriver. Je peux pas faire mieux. Voilà, par ici. Là, je vais avoir des problèmes parce que je pourrais pas. Ouais, je pourrais pas tourner. De faire ça comme ça, hein. J'ai pas le choix. Oui, t'attendais, il y a peut-être moyen de gruger. S'il y avait moyen de gruger et de passer en marche arrière ensuite pour aller chercher la remorque, je serais pété de rire. Mais à mon avis, je suis en train de. Ah yes, là ça passe un peu mieux. Allez. Et voilà, on y est. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Oui, d'accord, non, ce véhicule, même en tout terrain, je pense qu'il sera pas ouf. Mais j'aurais aimé voir avec toutes les améliorations. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, avec toutes les roues motrices en fait. Et à mon avis, toutes les roues motrices, là, il doit montrer... il doit être un petit... Il sera peut-être un petit peu mieux, mais là, je suis pas convaincu, il m'a l'air d'être bien, bien pourri. Voilà. Arrêtez vos ralentissements de merde. Ça déjà, hop. On se met en basse vitesse. On va aller chercher. Heureusement que j'ai des pneus qui sont tout terrain par contre, hein, parce que je crois qu'avec des pneus rouges, je ne serais jamais passé. Voilà. Et on peut ramener la remorque. Allez mon grand. Ah ouais, mais si la remorque pèse trop lourd pour lui, il y a un souci. Hein. Bon d'accord, c'est le terrain aussi qui est dégueulasse, mais... Ah, quand il est lancé, par contre, j'ai l'impression qu'il peut aussi... Écoutez, on va juste les mettre sur le côté. Bon, on peut les mettre ici, tiens, c'est vrai, c'est un truc de vendeur. Je vais aller le foutre ici. Et on va déjà aller au matin, carte globale, Island Lake, on va passer sur le Chevrolet. Parce que il reste, j'ai mis 40 minutes environ. Donc là je me dis je vais en profiter un chouïa. Négociation difficile. Je peux peut-être passer, alors... passer, donc je dois prendre à droite. On va essayer. On va essayer d'aller chercher peut-être une ou deux tours de guet, histoire de voir ce qui nous attend dans les environs. Je passe par où? Je vais essayer d'aller par là plutôt. Ça m'a l'air d'être plus simple. Enfin, plus simple, on se comprend. Rien n'est simple dans ce jeu. Et voilà, donc
Le Transtar, je suis pas convaincu. Je sais pas, il m'a l'air un petit peu mou. Bon, bien sûr, il y aura de bien meilleurs véhicules par après, hein, c'est pas ça, mais. Ce qui fait que j'hésite d'ailleurs peut-être à un peu changer ma façon de comment je vais appréhender le jeu, parce que ce serait con que je recommence à zéro à chaque fois sur chaque map, donc je, enfin sur chaque région. Donc je me dis, je vais peut-être plutôt sur chaque région amener avec moi un ou deux véhicules que vraiment j'aimais beaucoup, les véhicules coup de cœur, on va dire, de la région précédente, et ainsi de suite sur chaque à chaque région, et comme ça pour finir, vous voyez un peu le panel. Je sais pas, ça va. Ah. Pouf. Punaise. On fait plus jamais une porte pareille. Ok, elle est juste devant. Je veux toujours que c'est la gâchette pour mettre le marqueur. Je veux mettre avec le stick. Ah. Oh mon dieu. Si vous me dites que je vais apporter du matériel lourd dans le coin, ça va être sportif. Si ça, ça passe, c'est tranquille. Voilà. Je vais essayer de passer un petit peu en, voilà, sur le côté. Oh, t'es sérieux, même ici, alors que c'est de la pelouse. Je suis en train de rembourber dans quoi? De la pelouse humide? Petit trèfle. Voilà. Ah, améliorer. Non. Oh non. Oh non, mais c'est Noël là. Alors l'amélioration par contre, elle est au milieu du bayou. Oh bordel de merde, je viens de voir un gros truc. Mais non. Je vais devoir réparer un camion qui se trouve au fin fond de ce trou. Je vais aller prendre le contrat et je vais peut-être essayer de choper l'amélioration et puis basta. Ouais, parce que le timer vidéo ça va, c'est... Ah ouais, mais ici c'est vraiment une boue quoi, c'est... Ici c'est une vraie gadoue. Waouh, il faudrait que je vienne réparer un truc ici au milieu de nulle part, c'est ça? Et en plus, je vais faire toute la map précédente. Je vais traverser toute la map... Waouh, c'est quoi ce machin? Waouh. Holy shit. Holy shit. Mais attendez, c'est... Oh, putain, c'est un Wii-Roo, bordel. Wii-Roo plateau. Oh là. Oh. Western Star. Waouh. Appel à tous les Autobots. Ah oh, mais les... What the heck? Ce camion devait être un Kobo Kaidiak à l'époque. Presque une épave. Si vous pouvez sortir d'ici, je pourrais peut-être le faire fonctionner à nouveau. Récompense pour l'avoir. Oh bordel. Je vais me mettre de longs gants sur tout le corps là. Bon, écoutez, tant qu'on y est... Waouh! Faudrait que je répare ce truc. Ok. J'y penserai, alors... on verra. On viendra. Faudrait que je planifie ça.
peut-être pas pour la prochaine vidéo, mais faudra que je planifie alors. Parce que wow. Avoir un camion comme ça, même si à mon avis, vu la dégaine qu'il a, alors c'est bien d'avoir 8 roues ou motrice, hein, mais vu sa dégaine, je sais pas pourquoi, je sens que ce sera pas. Bon, on va passer en vitesse basse, ça sera peut-être mieux. Vu sa dégaine, je suis pas sûr qu'en fait il puisse vraiment être utile partout. C'est. Ah, mais c'est peut-être un camion plus fait pour le transport de rondins, vu que j'ai des missions où je dois transporter des rondins moyens, petits et grands. Lui, c'est peut-être pour le transport de rondins. Ah ouais, d'accord. Et en fait, passer par ici, c'est exclu parce que la route est dégueulasse. Ah ouais, mais la route est immonde, quoi. Je suis à 129 mètres. Allez, ça va, allez, ça va, allez. Voilà, ça va passer, ça va passer. La vue interne, elle est vraiment pas forte. Je préfère rester en vitesse basse parce que comme ça au moins j'évite de trop embourber à certains endroits, notamment ici. On va y arriver les gars, on va y arriver. Allez, j'arrive sur une nouvelle zone. Et je crois que je peux remettre comme ça ici. Parfait. Ouah, cette gadoue, toi. Ah, ok. Il y a un contrat ici. J'ai pas lu. Donc je verrai plus tard. Mais ça pue le. Ça pue la quête à la con. Et. Pas de visite. Ouais, non, en fait, je vais devoir arrêter là. Donc là, on va simplement récupérer ceci. J'avais pas vu l'heure. Il faut que je m'en tienne là. Bah oui, l'heure du repas, c'est sacré. Comme... Mais c'est cool, on a réussi à récupérer quand même deux mastodontes. Je fais un peu de off-cam donc pour 2-3 petits trucs à 2 balles. Et les prochaines, à mon avis, les prochaines vidéos, je vais pas foncer. Je vais essayer de finir les zones au fur et à mesure. Mais ce sera pour la prochaine fois. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.